Bonsoir, voilà, donc j'ai démonté le mandrin. On voit bien qu'il y a encore plein de copeaux dessus, hein. Donc on va procéder au démontage et regarder comment que c'est dedans. Donc c'est le mandrin que j'utilise, hein. Donc le mandrin Revor, voilà, c'est celui-là, bien Revor, hein, qui est monté sur mon tour. Donc alors on va démonter ça. Avant on va passer un petit coup de... On évite trop la merde rentre dedans encore, c'est pas la peine d'en rajouter. On va regarder quel état que c'est. Mettre en face, hein, on voit pas trop bien. Un peu dur celui-là. Comment ça se fait? C'est vite fait à faire, hein. C'est pas un truc important, hein. C'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement quand même. Alors, sachant qu'ici, on a... Moi, j'en mets toujours pareil, hein. Le graisseur ici, donc celui-ci ici, celui-là là, celui-là au-dessus. Voilà. Comme ça, on a démonté tout. On va démonter les mors. J'aurais pu les démonter avant, hein. Ça aurait été plus rapide. Bon, ça, on va les mettre de côté, ceux-là. Mais encore pas mal graissé quand même, hein. Donc on voit quand même que j'ai mis ce qu'il fallait, hein. On voit que sur les bords, la graisse, elle est sur les côtés. Comme je vous ai expliqué, on a la graisse qui se trouve là. Voilà. Donc elle n'est pas trop noire, on voit quand même qu'elle n'est pas trop sale quand même, hein. Donc c'est un peu noir, mais bon, on voit que normalement, voilà, toute la graisse que j'ai mis là-dessus, ben, y a une partie qui est partie dedans. Sur les bords. Donc tout ça, on va nettoyer ça et puis on va dégraisser comme il faut. Donc voilà, ça sert à rien de mettre des tonnes de graisse, la preuve, hein. Bon, sinon il aurait tout au large autour, hein, et puis il n'y en aurait pas. Enfin, ce qu'il y a là-dessus part automatiquement, hein, il n'y a pas, voilà. Donc ça, on va nettoyer tout ça et puis on va remonter ça. Alors, je vais déjà me dégraisser les mains. Donc je vous avais déjà montré comment il fallait faire, hein, donc c'est pas compliqué, hein, faut pas non plus avoir peur de démonter, hein. C'est pour préserver tout ça au mieux de l'usure. Ça permet de voir l'état d'usure quand même, hein. Donc faut tout bien tout nettoyer, il faut enlever le plus gros.
Alors j'ai bien envie de le faire à l'ultra, aux ultrasons. Alors j'ai un petit produit qui va pas mal. Donc on verra le nettoyage avec ça. Ah, c'est du produit à ultrasons, hein. Donc c'est le produit que je vous parlais, donc à utiliser pour éviter la corrosion. La corrosion et en même temps un nettoyage assez profond à l'ultrason. Donc moi je l'ai décapé comme ça. Ensuite, bah, je vous reprendrai quand je le fais, je mettrai tout ça dans le bac, hein, et puis on verra la suite. Donc voilà le mandrin remonté. Alors je vais pas montrer l'opération de nettoyage, hein, nettoyage complet, graissage et tout avec la graisse de chez Steel. Donc bon, la graisse n'était pas trop pourrie quand même, ça va, ça aurait pu attendre encore un peu. J'ai tout nettoyé quand même propre. Alors je l'ai pas fait aux ultrasons parce que soit j'avais guère le temps. Donc je l'ai fait avec du nettoyant de frein comme ça. Un nettoyant de frein, c'est un peu d'acétone, un genre d'acétone qui permet de bien dégraisser. Et bien entendu, j'ai bien essuyé avant toute la graisse, surplus de graisse, malgré que une bonne partie de la graisse, comme j'ai expliqué, était sur l'extérieur, enfin à l'intérieur du mandrin, sur les extérieurs. Donc, il n'était plus sur la partie avec la couronne. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo du mandrin là, quand j'avais des points durs, enfin c'est pas des points durs, c'était un durcissement. Il n'était pas trop rodé, il a toujours été un peu comme ça. Ça veut dire toujours assez, pas trop facile à tourner. Et là, regardez, je tourne tout seul avec deux doigts. Il va tout seul. Avec deux doigts. Hein. Je ne sais pas si on voit, hein, je force pas. Hein. Voilà. Voilà. Alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir redémonté, le nettoyer, recommencer à graisser qui a amélioré les choses, mais on sent que ça va déjà nettement mieux maintenant. Il commence vraiment à être très bien, hein, parce qu'à un moment donné, il était un peu dur quand même. Quand on arrive vers la fin ici, quand on serre quelque chose, c'était assez dur à faire, hein. Là, on voit que ça va, hein, tout seul, hein. Voilà. On sent qu'à la fin encore, que c'est encore un tout petit peu plus dur, légèrement plus dur ici quand on arrive au bout là, mais bon, c'est tout. À peine, hein, léger, léger. Hein. On sent vraiment qu'un tout petit peu plus de, un peu plus dur. Dès qu'on s'écarte, ça va beaucoup plus facile. Forcément, il y a moins de prise sur les mors. Donc là, ça va plus. Là, ça, à la limite, il pourrait presque tourner tout seul. Là. Ah, ouais. Par contre, là, quand on serre un peu plus, si je le mets là, par exemple, ouais. On sent que c'est un tout petit peu plus dur quand même. Voilà. Un tout petit peu plus dur. Hein. C'est pas. Voilà. Bon, alors, du coup, ça fait plutôt du bien que. Ça fait du bien de les nettoyer, de les regraisser un bon coup. Hein. Ça fait pas de mal. Surtout des Vévors, parce que les Vévors sont quand même assez durs. J'en ai deux. J'ai 100 mm et 125. Ils étaient très très durs. Hein. Très très durs. Quand je dis dur, c'est dur. Là, maintenant, c'est un vrai plaisir, quoi. Hein. Là, c'est faut savoir. Hein. Surtout qu'une manivelle comme ça, on n'a pas de force, hein, on n'a pas de force du tout, hein, donc voilà, si on veut vraiment aller vite pour ouvrir, voilà. Hein. Ah, plus vite comme ça. Donc voilà pour la vidéo, hein, donc je vous dis, bon, j'ai pas fait aux ultrasons, parce qu'il aurait fallu que je sorte le bac à ultrasons, que je mette le liquide dedans, le faire chauffer et tout. Donc ce soir, c'était trop juste, puis je voulais absolument le faire ce soir. Donc comme ça, au moins, il est fait. Sûr, il est fait pour un moment, hein. Je suis tranquille pendant un bout de temps, parce que là, je sais pas combien de temps je l'ai fait. Il faudrait que je regarde ma vidéo, à quel moment je l'ai fait. C'était l'année dernière, je pense. Je me rappelle plus bien, mais bon... Je sais que c'est pas voilà quand je l'ai acheté. Hein. Alors du coup, bah là il est fait pour la fin jusqu'à la fin de l'année. Hein. De toute façon, je ne vais pas y retoucher. Hein. Sauf si vraiment il y a une saloperie qui se fout dedans ou quoi que ce soit.
et puis que j'ai du mal à tourner. Bon, de toute façon, souvent, c'est derrière les morts, là, il faut démonter les morts, souffler un coup tout ça, et puis ça repart, hein, voilà. La merde, elle va pas trop à l'intérieur, hein, forcément. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait un peu le bordel. Donc, ben, voilà, je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, moi, je pense que c'est un bon truc de bien les nettoyer, bien les graisser. Maintenant, utiliser une graisse peut-être adaptée. Plus adapté qu'une graisse un peu générale, un peu comme celle-ci que j'utilise. Hein, voilà. Hein, c'est une graisse au lithium, haute pression. Voilà. Donc ça, cette graisse, ça coûte pas très très cher. Hein, bon, ça sert un peu pour tout. Voilà. Sinon, de la graisse, j'en ai. Hein. J'ai de la graisse cuivrée, j'ai de la graisse alimentaire, j'ai de la graisse cuivrée, j'ai un peu de tout. Hein. Donc celle-ci est plus adaptée pour les engrenages, puisque automatiquement elle est conçue pour justement, je pense, pour ce problème, ce genre de truc. Donc à voir, à tester. Hein. Maintenant, je ne pourrais pas voir vraiment si la graisse va se charger de merde ou quoi que ce soit, parce qu'elle est déjà pratiquement pas noire noire, mais déjà foncée déjà. Alors. Donc alors, je ne me rendrai pas vraiment compte, quoi. Le seul truc que je pourrais me rendre compte, c'est que quand je vais démonter le prochain coup, est-ce que la graisse sera plus autour que sur la couronne? Alors j'ai utilisé à peu près trois noisettes de trois noisettes, hein, ça veut dire trois noisettes, ça veut à peu près ça, hein, de graisse pour mettre dedans. Enfin, trois ou quatre noisettes comme ça. Sur un pinceau, alors j'ai pris un pinceau comme ça. Voilà, j'ai badigeonné, hein, la couronne, j'ai badigeonné les trois petits pignons là, qui entraînent les trucs qui entraînent la couronne. Et puis légèrement les coulisses des morts. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait avec. Donc voilà, c'est tout. Voilà, bon, si vous avez envie de le faire, faites-le quand même. Si vous n'avez pas, vous l'avez pas fait depuis un moment donné, ben, prévoyez peut-être de le faire quand même. Hein, si vous utilisez souvent le tour, ça ne fait pas de mal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'acheter de la graisse comme ça spécifique. Si vous en avez, ben, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, ben, utilisez une bonne graisse. Si vous utilisez de la graisse comme celle-ci là que j'ai montré, ben, à la limite, ben, ça fonctionne aussi. Hein. Donc voilà. Hein. Donc après, est-ce que ça fait, on ne sait pas les qualités des graisses, etc., etc. Hein. Donc on ne peut pas savoir vraiment si ça va vraiment limiter l'usure dans le temps ou pas. C'est ce qu'ils disent. Maintenant voilà, est-ce qu'on peut croire à ce qu'ils disent ou pas? De toute façon, les graisses, elles sont là pour éviter l'usure. Maintenant qu'on met une graisse spécifique, peut-être plus cher, je pense qu'on aura peut-être des meilleurs résultats à la longue qu'une peut-être une graisse moins chère, voilà, qu'une graisse générale, voilà. Alors sinon, bon, la graisse était dedans, il n'y a pas de problème, hein, elle s'en va pas, hein, elle peut pas se barrer, hein, donc voilà. Donc c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Voilà. J'ai refait aussi l'outil là que j'ai montré, là, j'en ai parlé un peu à cet outil-là, donc ce petit outil-là. J'ai refait un surfaçage, j'avais dit que je le ferais, mais je n'ai pas fait avec la vidéo. Donc j'ai refait avec le porte-pince que j'ai montré. Un porte-pince comme celui-ci, là. Un coup de CM3. Hein. Voilà, avec le diamètre 20, on met dedans, on met ça à la place du mandrin. On refait une surfaçage. J'ai vérifié au comparateur, j'étais parfait. Et je suis à moins un demi-centième. Un demi-centième, ça veut dire 5 microns. À 5 microns quand je mets une pièce dedans. Donc là, c'est quand même précis. Hein. Donc là, je suis assez content parce que je pensais pas quand même arriver à 5 microns. Hein. Je ne pensais pas y arriver. Parce que comme je pensais que, je vous ai déjà expliqué comme l'histoire de ma poupée mobile n'est pas forcément. Je sais pas si on m'entend. Ma poupée mobile n'est pas forcément parfaitement alignée, qu'elle a un petit peu décalé comme ça. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus quand même. Bon, maintenant apparemment ça marche. Donc voilà, pour ceux qui vont en faire aussi, hein, ça permet de mettre une pièce, je vous l'ai déjà dit, rectifiée d'un côté, hein, moins sur les deux côtés, si on veut garder les deux côtés parallèles, forcément. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vous pouvez laisser vos commentaires. Donc c'est fait pour celui-ci. Il y a des chances que quand je ferai les autres, malgré qu'ils servent beaucoup moins, hein, forcément, les autres mandrins qui sont sur le diviseur et sur le plateau rotatif, hein, qui sont beaucoup moins utilisés. Donc ceux-ci, ben, on n'est pas obligé de le faire maintenant, puisque bon, ça fait un moment, je viens de le faire, hein, donc il n'y a pas longtemps. Hein. Peut-être
peut-être on va le laisser un petit peu quand même avant d'y retoucher. Si je vois vraiment que ça commence un petit peu à durcir, à ce moment-là, je redémonte tout et je refais tout. Voilà. Ce qui était le cas de celui-là quand même, c'est que bon, je trouve quand même qu'il y a comme une différence. Hein. Une différence quand même. Alors si vous avez du Vévor, vous achetez du Vévor, c'est sûr que ce n'est pas des mondrins qui sont très chers, mais il faut quand même les démonter. Faut pas hésiter de démonter, nettoyer, graisser, voilà. Hein. Des fois, faut ébavurer un petit peu, par-ci, par-là, voilà, faut bien regarder tout. C'est quand même les finitions, ils sont pas fortiches les finitions, forcément, vu le prix, hein, on a des mandrins qui sont à 60 balles. Bon, c'est pas très cher, ils sont quand même bien finis quand même, on peut pas dire qu'ils sont mal faits, hein. Ils sont propres, hein. Il y a même un graisseur, hein. Il y a un huileur ici, bah, je déconseille de mettre de l'huile là-dedans, hein. Au début, j'en avais mis... pour tester, on fout de l'huile partout, alors c'est pas la peine. Hein. Faut mettre de la graisse, c'est tout. Hein. Et pas de la graisse sur la partie devant, hein, où les mores coulissent, hein, parce que je vous dis, les copeaux vaut-dedans, vous pouvez plus les enlever après. Hein. Ça, vous avez un mal fou pour les enlever. Laissez sec, hein, ou alors si vous mettez un petit peu d'huile, bah, vous prenez un petit chiffon, hein, comme vous avez ouvert, un petit chiffon, vous mettez imbibé d'huile, vous le glissez dans la spirale, puis c'est tout. Hein. Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop parce qu'après ça gicle partout, vous en avez au large. Hein. Donc c'est pas la peine de nettoyer ou de s'en prendre plein la tronche pour histoire de préserver un peu le mandrin. Hein. Le jour où il sera vraiment trop usé, il ben, faut changer, puis c'est tout. Ça coûte pas une fortune non plus. Hein, voilà. Donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, bon, bah, c'est tout. Hein. Ah, pour les aimants, j'avais parlé aussi, mais je ne sais pas si j'allais les tirer, j'avais déjà montré. Donc les aimants, on trouve ça sur Amazon, de toutes sortes d'aimants, hein. Donc des petits ronds, des carrés, j'en ai des carrés, j'en ai de toutes sortes, hein. Rectangulaires, voilà, des rectangulaires, des carrés, j'en ai un peu de toutes sortes. Ça c'est bien aussi de les avoir quand on veut bricoler des fois, d'avoir des petits aimants néodyne qui collent bien pour faire des bricoles. Amazon, hein, bon, on peut trouver ailleurs aussi, hein. Bon, je vois sur Amazon parce que c'est facile de trouver des trucs, hein. Maintenant ils font de tout et puis c'est pas trop cher, hein, donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette vidéo, ce coup-là, et puis ceux qui n'ont pas nettoyé leur mandrin depuis très longtemps, ou qui se trouvent que c'est dur, il y a des points durs et tout, bah, démontez tout, refaites tout, hein. N'hésitez pas, et puis vous allez voir la différence. Hein. Vous vérifiez quand même, moi j'ai vérifié quand même, une fois que vous avez fini, vous mettez quelque chose de rectifié dans les mores et vous contrôlez quand même la concentricité. Hein, pour voir si c'est bon, si tout est bien remonté. Hein, il n'y a pas une saloperie là derrière qui fait que vous vous retrouvez avec des dixièmes que vous étiez en centièmes avant. Là, j'ai contrôlé, je suis à 3 centièmes. Voilà. Donc 3 centièmes sur toujours le même, hein, toujours le même côté. Par contre, je me suis aperçu que quand je serre sur les autres, j'ai plus d'écart maintenant qu'au début. Quand il était neuf, j'étais à 4 centièmes sur les 3. Maintenant, je suis à 3 centièmes sur celui-ci et je suis au moins à 5 centièmes sur les autres. Hein. Donc, il y a 5-6 centièmes. Donc, il commence à avoir plus d'écart sur les deux autres que sur celui-là. Donc, toujours serré sur le même côté. Voilà, allez, sous là, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, de nouveau, bonne soirée. Et puis, bon bricolage. Et puis, continuez à faire ce que vous avez à faire. Et puis, voilà. Hein. Donc, voilà. Pas de soucis. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Ma foi, hein. Je vous dis maintenant, tout ce que je vais démonter, je vais les graisser avec ça. Surtout que c'est pratiquement, il n'y a pas de roulement pour ainsi dire là-dedans. Il n'y a pas de roulement dans ceux-là. J'ai quand même des roulements. J'ai comme un roulement sur le gros de 200 mm. Je pense que la graisse, elle va aller aussi pour des roulements. Hein. Il y a un roulement à aiguille, hein, c'est tout. Et puis sur l'autre aussi. Hein. Roulement à aiguille, roulement à bille. Après, c'est surtout la vis sans fin, et puis le pignon. Hein, graisser comme il faut avec cette graisse-là. Voilà, allez, à plus, au revoir, à la prochaine.